Ok, on est prêt tout le monde. Attends. Oh, ils nous emmerdent les deux là-bas. C'est bon, on est prêt. On joue ou pas là? Allez, 3, 2, 1, c'est par le haut. Okay. Ok, donc tu m'entends, c'est bon? Ouais, je t'entends. Ok, donc on va jouer donc bibliothèque. Ouais. Donc je vais te donner des indications. En fait, globalement, il faudra que tu fasses des petits déplacements. Ouais, j'avais prévu. N'oublie pas que les mecs arrivent toujours vers toi. Il y aura des moments où je te dirai de pas bouger. Donc je te dirai stop d'un coup. Et là, tu ne toucheras plus à rien. Ça sera notamment dans le cas des items. Donc lance et puis on va voir. Ok? Il faut que je rappuie sur A. Voilà, tu rappuies sur A. Et là, tu es en game. Donc je t'ai pris le personnage de Imelda qui donc a. Donc monte un petit peu. Monte un petit peu. Monte. Gauche. Bas, full. Gauche. Vas-y, quand je te dis ça, tu peux faire gauche, continue, gauche. Ok, donc là, on a le premier item. Tu vas prendre. Appuie un coup en bas encore. Voilà. Et là, tu fais oui. Ok, donc là, à partir de maintenant, tu as l'ail. Donc à partir de là, tu ne bouges pas. Pas mal. Tu ne bouges absolument ça, pas. C'est incroyable ce que tu as fait là. Tu vas reprendre ail, appuie sur A, continue à ne pas bouger. Voilà, et là, tu vas attendre un petit peu. Fais un tout petit déplacement en bas et à droite. Hop, à droite, voilà. Là, tu prends des gemmes, c'est très bien. Et là, tu vas remonter doucement. Très doucement, encore un petit peu. Voilà, top. Donc là, tu vas faire une fois en bas et là, tu appuies sur oui. Donc là, je t'ai fait prendre la Bible. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc là, on a Bible et Eye en starter, donc c'est très, très bien. Fais un petit gauche et un petit droit pour récupérer les gemmes qui sont autour. Voilà, et monte très doucement. Monte très doucement, voilà. Ainsi, tu vas te mettre au milieu de l'écran. Top. Voilà, et là, à partir de là, tu ne bouges pas. Donc là, en gros, pendant 3 minutes à peu près, t'es assuré, sachant que t'as pris donc, le personnage de Imelda qui tire automatiquement avec la baguette magique sur l'ennemi qui est à chaque fois le plus proche. Donc là, on a quasiment les 3 premières minutes qui sont garanties. Fais un petit gauche et un petit droit. Alors attends, fais 2 bas, voilà, et fais oui. Voilà, donc là, je t'ai fait prendre l'orbe d'attraction qui va te permettre de faire moins de déplacements et récupérer plus d'items. Voilà, fais des tout petits droits de gauche éventuellement, descends 2 en bas, et là, fais oui. Voilà, donc là, je t'ai fait prendre le duplicateur qui va multiplier donc le nombre de magies de la baguette, mais aussi le nombre de bibles. Donc là, tu vas monter doucement en haut de l'écran. Doucement, encore un petit peu. Tu vas prendre une orbe verte. Vas-y, monte encore. Hop, tu l'as prise, donc tu redescends. Voilà, doucement. Attention, pas trop vite. Voilà, redescends un petit peu. Alors là, on a 3 choix. Donc tu vas prendre, descends encore un en bas. Voilà, appuie sur oui. Donc là, tu as pris la pierre runique, donc qui va traverser l'écran pour faire des dégâts aléatoires. C'est ce que j'avais tout à l'heure en starter, c'est très bien. Redescends un petit peu. Et de toute façon, il faudrait que tu me dises, toi. Donc, ouais, aïe. Donc là, tu as l'ail, la Bible, la baguette magique et le rune traceur qui fait des dégâts un petit peu partout. Aïe, laurier, Bible, ici. Sachant qu'on a pris donc, le duplicateur et l'orbe d'attraction, on est sur un excellent starter, la pie. Vraiment. Donc, on va essayer d'en profiter. Donc là, tu vas rappuyer sur oui. Pour prendre une deuxième orbe d'attraction, c'est chose faite. Fais des petits déplacements à gauche et à droite, pas trop risqué. Petit déplacement. Là, de toute façon, on est à 2 minutes exactement. Donc là, on a encore. Descends un petit peu. Descends à gauche, un petit peu à gauche. Voilà, fais des petits tapes. Petit tape sur la gauche. Voilà, ça va te permettre. Tu vas prendre. On va faire ça. Descends un coup. Fais oui. Et donc là, je t'ai fait prendre le fouet. Très bien le fouet parce que ça permet d'avoir des attaques en close. Donc va un petit peu plus à gauche pour récupérer des orbes. Encore à gauche. Des petits tapes, voilà. Remonte un peu. Ok. Et maintenant à droite. Pareil, des petits déplacements comme ça. Comme ça tu vas récupérer toutes les gemmes que tu fais. À droite. Top. Voilà, à droite. Là pour l'instant t'as pris aucun dégât depuis le début de la game. C'est insane mec. Tu vas prendre l'ail à nouveau. Donc 2 en bas. Et tu fais oui. Ok. À droite. Petit mouvement à droite, décale, à droite, encore. Là, t'as pas mal de gemmes, vas-y, faudrait les prendre, vas-y, go. Tu peux remonter un coup, là, vas-y, un bon coup, voilà, nickel. Descends en bas. Ok, bouge pas, tu vas prendre, appuie sur haut une fois. Attends, sur haut? Appuie sur haut une fois, voilà. C'est quoi, haut? Ah oui, haut, touche pardon, haut, voilà, pardon. Et tu appuies sur oui. Voilà, donc là, je t'ai fait prendre un passif qui est donc la reliure magique pour augmenter la durée des attaques. Appuie sur gauche plusieurs fois, des petits tapes, remonte au milieu de l'écran en faisant des petits tapes. C'est tellement dur de... Là, je voudrais parler... Tu te débrouilles très très bien. Remonte un peu, donc là, tu as 3 minutes, donc tu as la momie qui vient d'apparaître. La momie, donc, est un petit peu puissante. Il va falloir que tu fasses des décalages sur la droite quand je vais te dire... Maintenant, fais des petits décalages, droite, voilà. Très bien, pas trop vite. Descends de 2 en bas, 2, et appuie sur oui.
Tu as pris donc l'orbe d'attraction à nouveau. Super. Donc là, tu permets, on peut, ça nous permet donc, dire, de garder le, la possibilité donc, d'avoir une bonne attraction au niveau des orbes. Fais grind un petit peu plus. Alors, temporise. Temporise. Fais oui. Oui, direct. Oui, ouais, voilà, oui, direct. Voilà, là, tu as le fouet niveau 2, donc ça permet de taper devant ouais. et derrière. Très important de monter le fouet niveau 2. Temporise encore un coup, c'est bon. Va à gauche. Voilà, et là, tu as pris le premier coffre. Nice. Vas-y, appuie sur oui. Ok. Spam le bouton A, peut-être. Tu peux pas, ça marche pas ? Non. Ok. Ok, donc là, c'est le rune traceur qui est augmenté. Pour les dégâts de zone, c'est parfait, vas-y. Je me demande. Appuie sur A. Ouais. Je peux spam. Ok, à gauche t'as pas mal de gemmes, donc fais des petits taps pour aller à gauche. Voilà, et là t'es en train de te gaver, mec, c'est incroyable. C'est un peu comme le film La Grande Bouffe. Alors là, on a la possibilité de prendre la couronne d'XP, donc deux vers le bas, et appuie sur oui. Couronne d'XP, c'est un très très bon call, vas-y. Des petits taps sur la gauche encore. Décale-toi doucement sur la gauche, 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 stop. Et sur la droite. Ah, attends, alors descends deux en bas, voilà, et appuie sur oui. Donc là, tu as amélioration donc, de la baguette magique. On est à 4 minutes, c'est très bien. Décale maintenant, des petits taps sur la droite. Là, tu joues baguette magique, on joue baguette magique. Là, on joue baguette magique, aïe, bible, rune traceur et fouet. Donc là, on est sur un très bon build en termes de close combat et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc droite, 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 droite. Vas-y, continue des petits... Alors, attends. On va prendre... Alors, descends un en bas et on va continuer à prendre l'aïe. Donc, vas-y. Et... continue à faire des petits taps sur la droite pour récupérer les gemmes qui sont un peu parsemées. Tu peux aller un peu plus vite, fais des petits taps. Là, tu commences à avoir un bon DPS. Monte un peu au milieu de l'écran. Ah, ne bouge pas. Tu vas descendre de 2 en bas, voilà, et tu vas prendre l'eau bénite. Voilà, c'est parfait. Donc, ok, fais à droite, petit tap. Droite, tape droite, tape droite, tape droite, tape droite, tape droite, tape droite, top. Tape gauche, 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 tape gauche. Et c'est très bien. Alors, eh bien, on va améliorer la baguette magique. Donc, descends un en bas et appuie sur oui. Et c'est parti. Donc, tape gauche, 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 tape gauche. Petit ours brun. Hop, un peu en bas, un peu en bas. Histoire de se calmer au milieu d'écran. Stop. Appuie sur oui. Voilà, là on vient d'améliorer l'ail, donc à gauche, 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 tape, gauche, petit déplacement de tape, gauche, déplacement, déplacement, tape, gauche. Je me demande où ils en sont, parce que du coup, ça va se jouer à quoi, là ? Eh ben, ça va se jouer à feu, oh, mec ! Qu'est-ce que tu dis de ouais, ça ? Ouais. Continue un petit peu, là t'es au niveau du piano, on va aller sur la droite maintenant. Droite, droite, alors attends, faut pas se planter, un vers le bas, et appuie sur oui. Comme ça, on a le duplicateur qui vient d'améliorer. Donc là, c'est extrêmement bien, à la fois pour la baguette magique, les bibles et le rune traceur. Et attention, on a une nouvelle momie. Va sur la... en bas, en bas, en bas, en bas. Droite, tape droite, 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 tape droite, tape droite, tape droite, tape droite. Tape haut, tape haut, tape haut. Stop. Gauche, 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 gauche et bas. Et c'est le coffre. Super, vas-y. T'es très très bien. T'es très très bien, mec. On est à 5 minutes 43. On les explose. Tu t'ébrouilles vraiment très bien. Premier degré. Ok, c'est bon. J'essaie de passer, mais... appuie sur... Ah ouais, tu peux pas. Ouais. Pierre unique qui a été amélioré niveau 3. Alors, vas-y, full gauche. Full gauche. Là, tu peux marcher d'un coup. Vas-y, marche d'un coup. Appuie sur bas une fois et appuie sur oui. Ok. Gauche, gauche, gauche. Maintenant, droite. Full droite. Full droite. Vas-y, marche, marche, marche. Marche, 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 marche. Stop, appuie sur oui. Ok, parfait, marche, 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 marche. Milieu de l'écran, donc haut de l'écran. Enfin, appuie sur haut, haut, stop. Bouge pas. Et là, full droite. Et donc là, on arrive sur la vague de 6 minutes qui est un peu plus lente que les autres. Donc on va en profiter pour ratisser l'écran. Mais on a des kamikazes à gauche, 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 gauche. Voilà. Vas-y, donc full gauche, full gauche, full gauche, full gauche, full gauche, full gauche. Full gauche, full gauche, full gauche, full gauche. Full gauche, ouais. Contourne le piano, donc bas, gauche, 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 haut. Alors attends, oh, bible, elle est niveau 2. Ok, vas-y. Appuie une fois sur bas et oui. Ok, ok, nickel. Et là pour te dire, avec le duplicateur, t'en as quasiment 8. Pardon, remets-toi au milieu de l'écran. Donc bas, 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 top, droite, full droite.
Et tu peux y aller non-stop parce que t'as des kamikazes qui te collent au cul, c'est bon, il y en a une qui est morte. Tape droite... On est encore dans la bibliothèque, là ? On est encore dans la bibliothèque, bien sûr. Ouais. Tape droite... avance un peu moins vite, quand même. On va tempo. Appuie un coup sur O. Voilà. Ok, donc là, on a la vague de 7. Normalement, il n'y aura pas trop de problèmes. T'allais dire, ouais ? Bah non, mais je disais parce que... Full droite ! Pardon. Oui, vas-y, tu disais. Non. Si je disais la bibliothèque, ouais, il y a moins de trous et tout, c'est pas plus mal. Ouais. Full droite, c'est bon. Full gauche, ne t'arrête pas, c'est bon. Appuie sur oui. La game en pause, ouais. Ok, ça marche. Ok, tape gauche, moins vite. Tape gauche. Monte. T'as eu un kamikaze dans la gueule, mais t'étais full life, donc c'est bon. Et tu viens de prendre deux poulets rôtis, t'es full life, c'est bon. Top. Tape droite. J'ai l'impression de faire une comptine pour un enfant. Tape droite. J'ai un peu un enfant, c'est ok. Ok, appuie une fois sur bas et appuie sur oui. Donc là, on vient de prendre le tome vierge, donc il va réduire le cooldown de déclenchement de toutes les attaques. Ouais. Tape droite. Notamment de la Bible. Tape droite. Et maintenant, full gauche. Tape gauche. Ah non, ouais. Attention, donc là, on a un élite. Alors attends, ne bouge pas. On va voir si tu arrives à le... Ok, tu sais quoi? Tu ne vas pas bouger. Et en l'élite, tu vas le dégommer comme ça. Normalement, baguette A, il y a un monde où il se passe des trucs, quoi. Ok, tu vas tape gauche pour récupérer les gemmes. On tape gauche et c'est très bien. Ok, 1, 2 vers le bas et prends oui, c'est l'orbe d'attraction. Tape gauche. Et maintenant, tape droite. Là, tu as l'ennemi élite qui est en bas, à gauche de toi, mais en fait... le combo de tout ce que t'as, ouais, fait qu'il ne touche pas. Voilà, il se fait répulser, donc c'est parfait. Tape droite, c'est parfait. Rappuie sur oui, orbe d'attraction. Tape gauche. Ah voilà, donc là t'as le temps. Alors gauche, full gauche. Top. Okay. C'est bon, là on a eu l'ennemi élite. Il faut que tu me dises. Ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Descends, là t'as le coffre. Vas-y, fais oui. Ok, pendant que ça te tienne. Ouais. Il faut, parce que là tu vas reprendre la partie, ok? Ouais. Donc qu'est-ce que tu me conseilles sur quoi tu me conseilles de t'orienter? Je te le dirai juste après. Okay. Vas-y, fais oui, parce que là il faut que le timer continue. Ouais, vas-y. T'inquiète, je suis pas mal. Et là tu restes au milieu de l'écran et tu fais des tout petits tape gauche. Donc pour tout à l'heure, c'est appuie sur oui. Couronne d'XP, c'est prio par rapport à tout. Okay. La deuxième prio, c'est l'orbe d'attraction. Okay. Et ensuite, haut. Alors, appuie sur oui. Et ensuite, c'est tout ce qui est... Tape droite. Et après, c'est tout ce qui est très close. Donc, aïe, Bible, bien sûr. Appuie sur une fois bas et oui. Et en fait, ouais, donc aïe, Bible, fouet, qui, je pense, mine de rien, t'as pas mal carry là sur cette game. Et baguette magique, très bien aussi. Une fois encore vers le bas et oui. Couronne, là, tu as eu. Donc là, tu vois, appuie full droite, droite. Une fois en bas et appuie sur oui, pierre runique. En fait, c'est bien d'avoir un à gauche maintenant, full gauche. En fait, c'est bien d'avoir un item qui fait des dégâts de zone. Donc ça peut être l'eau sainte ou... appuie sur oui. Ça peut être l'eau sainte ou le rune traceur. Et là, pour le coup, tu as les deux, donc c'est vraiment très bien. Vas-y, full gauche. Appuie sur oui. Ok. On est très très bien. Une minute. Là, on est à 10. Là, t'es à 10 minutes de survie, mec. Okay. 10 minutes de. C'est insane. Franchement, je pensais pas qu'on arriverait. Hein. Donc là, t'as un nouveau ennemi élite qui est arrivé. Tu vas monter un petit peu dans l'écran. Monte. Et full droite. Full droite, ne t'arrête pas. Full droite. Appuie sur oui. Full droite. Ne t'arrête pas parce que là, t'as des kamikazes. Donc vraiment non-stop. Avance. Là, tu dégommes tout le monde sur ton passage, hein, si ça peut te donner une idée du build. Okay. Descends. Appuie sur oui. Descends. Appuie sur full droite. Non, tu sais quoi? Tempo. Le kamikaze se fait expulser. Là, on va essayer de pas prendre d'XP. Okay. Ça finit dans 30 secondes dans tous les cas. Donc, tu appuieras sur start. Là,
Là, tu dégommes tout. 15 secondes. Mec, c'est insane. Donc, il faut que... Full try, quoi. Putain, j'aimerais bien savoir où son, là. Oh la vache! Je suis fier de toi, Lapi. Je suis fier de toi. C'est grâce à toi. Moi, j'ai rien fait. Moi, je suis un Daft Punk. Pause. Oh putain, il a détruit les viewers avec le casque. Oh la vache! Ah, c'est dur, hein. Attendez, mais... C'est dur, mais ça se passe. Attendez, mais il m'a troll, Valentin. Pourquoi? Pourquoi? J'ai les mains... Ah, il a pas dit que la peinture était pas sèche. C'était de la peinture. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as pas dit, hein. Si, si, il l'a dit. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas le casque dans les oreilles, hein. Espèce de connard. J'en ai dans le front, j'imagine. Ah, s'ils mettent trop de temps à switch, nous, on part, hein. Ok. Mais attends, on fait quoi, là? Il faut... Ouais. Ouais. Sous les sunlights. Bon. Donc, ah, tiens. Sur la même game. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, il faut que ce c'est sache. C'est quoi le build? Oh. Tu vois? Oh, tu verras. Ok. Hein. Tu vas voir en haut à gauche. Ben, ok. Mais c'est quoi déjà le truc là? Faut qu'on focus les armes. Ok, dame. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Ok. Donc normalement, fais gaffe, ça fait un peu mal au niveau du nez. Non. Y a pas avoir... Hésite pas à me dire stop. Alors ouais. T'es mute. Et on peut remettre les. C'est ça, excuse-moi. Oui, mais 2 secondes. On se remet en équipe et tu nous donnes le go en régie. Oh là là. J'ai la pression d'un. Ah ouais, on veut se parler. Ça va forcément être dur parce que là, il va y avoir des ennemis un peu plus puissants. Ouais. Ok. Là, on est en équipe Mintos. Et on peut repartir. Donc en gros, là, il faut qu'on focus les armes, les volumes. On est pas loin. On a des synergies. On en a genre 4. Je crois qu'on a genre 4 synergies. Donc là, on est vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu voudrais passif? Je te rappelle, tu as la baguette, tu as l'ail, tu as la Bible, tu as le losange, le fouet et l'eau bénite. Et il nous reste un dernier slot. Ok. je vais te dire. Vas-y. Ok. Bon là, de toute façon, t'es bien. Comme tu disais, tu dégommes tout. Tu peux faire un petit tap à droite. Ouais, vas-y. Comme ça ? Ouais, tranquille. Vas-y. Ok, 2 secondes. Tu vas au fouet, baguette ou tome vierge. Je pense que tu vas partir sur baguette. Donc tu peux faire oui. Vas-y, oui. Donc oui, direct. Oui, okay. Oui, direct. Un petit peu de droite, là, un peu. Donc en fait, il faut vraiment, là, essayer de... Là, de toute façon, tu as l'amélioration baguette si jamais on arrive à... Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'inquiète, il faut monter les actifs. Ouais. Tu peux aller droite un peu. Vas-y, droite, tout petit. Tu peux monter aussi. Encore. Okay. Il y a un élite. Alors, attends. Brassard en dernier passif, est-ce que ça peut être intéressant? Je crois pas. J'ai pas pris les couteaux, donc non. Ouais, donc non. Tu vas prendre... Donc, il y a reliure. Ouais, tu vas... Vas-y, ah, oui. Il y a la reliure magique. Oui, dis oui. Vas-y. Je fais oui direct. Ah, ouais. Okay. Vas-y, remonte un peu. Il y a un petit élite. Donc, normalement, si on lâche le coffre, on devrait l'avoir. Tu peux aller un peu vers la droite, tranquillement. Parfait, ouais. Pas plus, hein. De toute façon, c'est bien. Mais vas-y. Ça, tu prends un max de gemmes. Okay. Va vers la gauche. Mais gentiment. Encore. Ouais. Alors là, t'as eau bénite, candélabror. Est-ce que le candélabror, ça peut c'est être... C'est la croix? Ouais, non, c'est le chandelier. Ah! Et je crois que ça non, le chandelier, c'est si j'avais la hache. Ok, donc là, tu vas faire deux plus bas, un c'est... et deux. Et c'est quoi? Et c'est la pierre unique rang 5, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Et vas-y, encore sur la gauche. Voilà, t'as le coffre, vas-y, appuie sur A, mâche. Et là, normalement, t'as l'amélioration de. Donc là, c'est big, là. C'est big, ouais, vas-y. C'est quoi? C'est l'amélioration de la baguette magique. Ok, top. Donc vas-y, tu peux taper gauche. Vas-y, en vrai, t'es trop forte là. Vas-y. Donc là, un autre coffre, vas-y, spam. Ok. Oh, ok, un triple. Ok, vas-y. Nice. Et là, on peut les passer en c'est, plus. C'est quoi cool. Le triple Aïe, Bible dorée et eau bénite. Ok, nickel. Vas-y, va vers la gauche, tu peux y aller. Ok. Un peu vers le bas. Encore. Est-ce que tu peux me dire si je suis autour du piano ou pas? T'es autour du piano, totalement. C'est parfait. Aïe, prends. Oh putain. Le premier? On a l'armure, ou le cœur, ou l'iron 8. Ou l'ail en 8. Ouais. Ah, l'ail en 8, toi, ouais, très bien. Vas-y, dis oui direct. Vas-y, descends. Et oui, t'es à côté du piano. Okay. Et là, tu vas aller à gauche à fond. Je suis à. Ok. T'es trop forte là. Là, t'inquiète, tu peux me t'entendre. De toute façon, je pense tous les trucs. Là, tu vas retourner vers la droite un peu. On va aller rechercher un peu ce qu'il y a vers la droite. Tu peux même monter un peu. Okay. Voilà. Tape droite. Vas-y, tu peux y aller. Là, de toute façon, je pense qu'il faut absolument qu'on pexe. Pour que t'aies. On a la couronne d'XP. C'est nickel. Et justement, en gros, je voudrais te faire prendre un max de. Vas-y, tape droite, à fond même. Voilà. Full droite, hein. Là, ouais. Allez, stop, t'es très bien. On a un NFT. Ok. Donc on va peut-être tempo un peu. On va peut-être tempo et t'as aussi. Il est où par rapport à moi? Il est en bas? Il est en bas à droite. En bas à droite, ok.
Mais là, tu peux aller à droite. Là, je suis au milieu de l'écran. Ouais, t'es au milieu, va en haut à droite. Vas-y, tu peux y aller. Franchement, t'es très solide là. N'aie pas peur. Ouais. Descends un peu. Okay. Descends un peu. Okay. Et là, t'es juste au niveau du. Juste en bas de toi, il y aura le NFT si tu veux, ok. Ok. Il est loin ou pas? Il est assez loin. Tu peux encore descendre un peu et tu vas surtout aller à gauche. Okay. Va à gauche là, histoire de prendre l'XP. Parfait. Nice. Fouet rang 4, eau bénite ou Bible, tu vas aller chercher la Bible, donc 2 vers le bas. Comme ça? Ouais, et tu peux valider. Va vers la gauche, tranquille. T'es très bien. Donc là, t'es au niveau du piano, tu peux redescendre. Droite, tu peux aller à droite, tranquillou. On va aller chercher. T'as un petit élite, donc normalement, t'auras un upgrade de quelque chose de mémoire. Je continue à appuyer sur toi. Ouais, vas-y, droite, t'inquiète. Alors, on a épinard, candélore ou cœur du vide. Donc c'est le dernier truc. On va prendre le candélore pour... Le cœur du vide, ça t'améliore le fouet. Hein. Ah putain, mais oui, exact. Donc, t'as raison. Deux oui. Vers le bas. T'as totalement raison. Et tu peux y aller. Je voulais prendre le chandelier pour éventuellement comment dire, avec l'eau sainte, c'est pas mal. Mais je crois que les améliorations prévalent, quoi. Vas-y, tu peux aller vers la droite, à fond. Ah, t'as pris le truc. Ouais, c'est vrai. Le NFT. Ok, alors droite, je fais ça. À fond droite. Okay. Vas-y. Et là, tu peux aller à fond gauche. On va laver un peu l'écran histoire de prendre de XP. Bible ou pierre runique? Je pense que ce sera pierre runique. La Bible, hein, je pense. Ok, vas-y, valide. Vers la gauche, tu peux aller à fond. Okay. Donc là, stop. T'as une grosse vague un peu popcorn, comme tu les appelais. C'est la vague de combien? Vague de 14. Tu peux descendre un peu. Ok. Ils ressemblent à quoi, les ennemis? C'est des champignons verts avec des méduses. Vas-y, valide. C'est la Bible. Ok. Tu peux aller vers la gauche. On va aller... Voilà, tape tranquille, tape, avance. On est très bien, t'entends les gemmes, Bible encore, vas-y. Donc là, prochaine amélioration, c'est Big Bible, okay. Tu peux aller vers le bas. Vas-y, vers le bas, vers la gauche encore. Et on va retourner vers la droite, prendre les gemmes qui sont restées. Tu peux y aller tranquillou. Pierre unique, vas-y, valide. Et encore vers la gauche, tu peux y aller à fond. Super. Ok. J'ai l'impression qu'on joue tellement sérieusement. Va vers la droite. Ouais, de fou. Mais on va gagner. Là, tu descends de 1 et okay. Tu valides. Vas-y. Vers la droite, là, tu peux aller à fond vers la droite. Bah, en fait, le truc, c'est que là, on est tellement bien. Stop. Vas-y, valide. Encore une fois. Pierre unique, rang 8. Ok. Tu peux aller vers la droite. Moi, en plus, j'ai des problèmes avec ma droite et ma gauche, c'est énorme. Vas-y, vers la droite, tu peux y aller. Là, de toute façon, en gros, ce qui est cool, c'est que sache que ton rayon de magnétisme balaye tout l'écran. Ah, c'est parfait. Tu peux vers le bas, 1. Okay. Et vas-y, valide. L'eau bénite. Vas-y, va vers la droite, tranquille. Ok. Et alors, donc là, t'as une méduse, mais elle te touche pas, ok. Ok. Donc, t'es tranquille, là, tu peux rester là, on va juste attendre qu'elle meure. Je t'empo. Et ouais, tu peux alors, va vers le bas. Encore, et à la droite. Okay. Vas-y à fond et c'est coffre. Vas-y. Donc là normalement tu devrais améliorer un truc. Donc et ce sera la Bible améliorée. Donc là c'est super. Ah c'est trop bien. Vêpres impies. Remonte. De quoi? Vêpres impies, le nom de l'évolution. Ouais, je crois que c'est ça. Et va vers la droite à fond. Tu vas prendre le fouet. Vas-y, valide. Et tu vas à droite. Là, en gros, il y a un cercle noir avec un truc qui tourne vite autour de moi. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est nickel. Vers la droite, vas-y, on va aller prendre de l'XP. En fait, on a une très bonne, attaque en close. Quoi. Ouais. En fait, tu as tellement très bien build que moi, déjà, j'ai pas grand chose à Après, faire. Après, on a une bonne RNG sur les premiers items. Ouais. Aussi. Tu peux valider fouet rang 5. Et va vers la gauche, du coup, à fond. On va aller récupérer un petit peu les, les gemmes. Vas-y, encore. C'est très très bien. Au bénite, vas-y, valide. C'est vraiment les théories crafters contre les entertainers. Mais en fait, t'as trop bien build, c'est trop. Vas-y, va vers la gauche. Ok. À fond. En fait, t'as trop bien build, ça sert à rien de crier. Vas-y, valide. Okay. C'est l'eau bénite en 5. Valide, fouet en 6. Descends de 1. Valide. Donc là, en gros, dis-toi, va vers la gauche, tu peux y aller à fond. Ok. Enfin, vas-y, tranquille, stop. C'est bien. En fait, là, dis-toi. Ouais. N'importe quel coffre, c'est une upgrade obligatoire. Ok, cool. On a upgrade fouet, upgrade... On est à combien de minutes? On est à 16. Ok. Tu peux aller vers la gauche et ensuite on retournera vers la droite tranquillou. Vas-y, va... descends de 1. Ok. Et valide. Et va à droite, c'était la Bible dorée. Ok, parfait. En 5. Je sais pas, on a dit couronne over, mais c'est vrai que là, il se passe rien, donc c'est ok. Va vers la gauche, vers droite, pardon, droite, ouais. Bah, la couronne, elle est forcément max, là. Ouais, je crois qu'elle est maxée, ouais, c'est pour ça. Elle peut être que niveau 5, de toute façon. Ouais. Va vers la droite, t'inquiète, histoire de prendre de l'XP.
Voilà, voilà. Ah ouais, j'entends que ça, oui, ça oui. rafle là. Hein. Oui, oui. Descend de 2 et valide. Au béni, 36. Ok. Vas-y, va vers la droite. On va prendre de l'XP à mort. Et ensuite, on va aller à gauche. Là, vraiment, je te fais faire. En fait, va à gauche. En fait, là, je te fais faire juste un balayage parce ouais, que bah, t'as de l'XP. Et en fait, tu prends quasiment tout vers le haut et vers le bas. Remonte un peu d'ailleurs. Un tout petit peu. Encore, encore. Encore. Voilà. Ouais, c'est mieux. T'es au milieu de l'écran. Un foire en 8, tu peux y aller. Donc là, ah, comme foire en 8, très bien. Ouais. Ouais. Alors, va vers le bas. Vers le bas, vers le bas, vers la gauche. Remonte. Parfait. Vas-y, valide. Valide tout. Ok, donc là, on a le fou amélioré, ok. Fou amélioré, ok. Ouais. Donc là, remonte un peu. On va se mettre au milieu là, de l'écran. Là, ça veut dire qu'on fait des... Remonte. Ouais, ouais. Des, oui, exactement. Remonte, le remonte. Le foie rouge, ouais. Et va vers la droite, je pense. Donc là, t'as des kamikazes, okay. Mais il se passe pas grand chose parce que. Normalement, ouais, ils sont repoussés. Hein. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Tu descends de 2 et tu valides. Et tu peux aller vers la gauche. Alors, tranquille, ouais, parfait. Vers la droite, tranquillou. Ouais, on zone. Ah, très bien, très bien. Le bulle de malade, ouais, les gens sont en mode OMG, qu'as-tu fait? Vas-y, va. Après, vers la droite, tu peux y aller à fond. Okay. Deux vers le bas et valide. Vas-y, vers la droite. Non, on n'a pas pris la hache. On n'a pas pris la hache. Ouais. On a l'ail, ouais. Les trucs qui partent dans tous les sens que tu avais sur la game d'avant, l'eau bénite. D'accord. Et on a amélioré déjà Bible, fouet. Va vers la gauche. On a amélioré déjà Bible, fouet et baguette magique. Ok. Donc on a un très très bon close qui repousse et tout. Vas-y, va vers la gauche, tu peux y aller. Regarde, hop. Tu vas descendre. Non, vas-y, valide. Ouais, c'est bon. Le premier ? Ouais, valide, c'est bon. C'est tome rouge ou tome doré ? Va vers la gauche, on va prendre l'XP. Tome rouge, c'est bien parce que ça, c'est pour le cooldown. Ouais, c'est pour ça. Je pense. Après, que c'est le tome doré, ça rallonge la durée de l'attaque. Donc mais le truc, c'est les deux sont bien. En vrai. T'as déjà l'attaque infinie avec la Bible. Et. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, en fait, je suis en mode le rouge sera probablement mieux. Va vers la droite. Mais alors, donc t'as l'élite. Ouais. Bon, l'élite, il arrive c'est pas. C'est quoi comme élite ? C'est le guitariste. Non, c'est la sorcière. Ah, oui, la sorcière, d'accord, ok. C'est ça, on est à 19 minutes. Hein. 19, ok, on va essayer très, de faire les 20, ça serait cool. On va essayer de faire les 30 surtout. Je pense que t'as un bulle de four. Ça me fait plaisir à entendre la pille. C'est l'expérience qui paye en fait. Ouais, avant tout. Cool. Alors, va un peu vers la droite, tranquillou. Okay. On va aller prendre de l'XP. Ok, tu vas descendre 2 fois et valider. Donc là, on aimerait bien avoir un coffre. Il y a l'élite qui est juste au-dessus de toi. Tu es level combien ? Tu es level 62. 62, tu putain. Tu peux aller vers la droite à fond. Enfin, à fond, tranquille, quoi. Vas-y, va vers un peu vers la gauche. On va aller rechercher l'élite. Voilà. Donc là, va tape gauche. Et tape droit. Tape haut. Ok, un peu gauche. Parfait. Vas-y, spam A. Mash A. Et c'est l'eau bénite améliorée. Oh putain, là, il se labora. Spam A. Et effectivement, c'est labora. Tu peux aller à gauche. Ok. Donc là, elle se met en route. Je suis où par rapport à l'écran, là ? Tu es quasiment au milieu. Tu peux descendre un tout petit peu. Ok. Encore. Encore. Ok, tu vas double bas et valider. Parfait. Et donc là, encore une fois, on a besoin d'élite pour valider tes améliorations. On peut encore améliorer de mémoire l'ail. L'ail, ouais. Okay. Ouais. De toute façon, l'ail, on pourra pas faire une évolution de l'ail, mais on peut peut-être améliorer le niveau. Je crois que si. Non, parce qu'on n'a pas le Pumarola. Ah oui. Ah, ouais. Ah bah on peut plus rien améliorer du coup, je crois. Ok. Alors là, t'as l'élite sorcier là qui arrive, tu sais, un peu le pirate sorcier bizarre bleu. Il se fait repousser ou pas ? Pour le moment, ça a l'air. Ok. Ouais, c'est bon. Alors, tu vas quand même aller un peu vers la gauche. Ok. Oh, ouais, et tu vas descendre un peu. Vas-y, descends, tape bas et tape gauche en même temps, c'est très bien ce que tu fais. Tu peux valider déjà. Pareil. Et donc, il se fait pas repousser, mais il est très lent. Ok, très bien. Donc là, stop, et tu vas juste faire des tapes gauche, tranquillou. De toute façon, là, les kamikazes, tu les entends, mais il ne peut plus rien se passer, évidemment. Et là, tu vas taper droit. Ok. Même, tu peux aller droit, même, voilà. Et haut, voilà. Vas-y, coffre, valide, spam. Et c'est l'amélioration de la Bible dorée. Super. Et ah, donc là, tu peux aller un peu vers la droite. Tranquillou, on va prendre de l'XP.
Vas-y, droit, droit, tu peux y aller. On va aller chercher de l'XP en masse. Vas-y, valide. T'as plus qu'un choix, dis-toi. Valide. Ah oui, d'accord, plus qu'un choix. Remonte, d'accord. Remonte. Et stop. Et tu peux arrêter de bouger, je pense. Ok. Je pense. Vas-y, t'es que... où là ? Vas-y. Donc là, t'es au milieu. Ouais, non, mais... hop, hop, voilà, hop, super. Je t'ai. Okay. Tu es au milieu de la map. Okay. Tu as des bibles qui te tournent autour de la... du front. Tu as des lames partout. Okay. Tu as de l'eau bénite qui tombe du ciel. C'est une très bonne nouvelle. Et je pense que... voilà. Est-ce que le chat, ils sont sympas là ou quoi ? Ah, le chat, ils sont en mode, mais c'est un no match. Ils sont en mode, mais qu'as-tu fait ? What the fuck ? Qu'as-tu fait ? Et c'est pour ça que je m'étais dit, je me bande en premier. Parce que je savais que t'allais partir sur un bon truc. Et après, moi, derrière, j'avoue que... Ouais. Bon. En fait, on a eu un peu de RNG, notamment au niveau de... Mais quand tu m'as dit, j'ai l'ail... Ouais, c'est ça. J'ai compris. En fait, au niveau de l'orbe d'attraction et la couronne, on les a eu relativement tôt. Ouais. Mais c'est surtout que j'ai vraiment essayé de te faire un build, enfin, de nous faire un build oui, avec des attaques, de attaques très close, et quoi. Oui, vraiment, oui, c'est ça, quoi. Oui. Non, mais tu as très bien... Mais de toute façon, tu m'as dit... Aïe, j'étais en mode, ok, c'est bien. Tu m'as dit aïe et bible. On l'a eu en premier item en plus. Ouais, là, bah ouais. C'est vrai que c'était bien. En fait, c'était. J'ai hésité au début à prendre un personnage qui avait plus de vitalité, mais c'est Gennaro ou Antonio, donc soit le fouet, soit les couteaux. Mais du coup, les premiers déplacements auraient risqué d'être durs. Ouais. Et c'est vrai que, comme je sais que t'as moins d'heures, j'ai mais tu vois, c'est marrant parce que apparemment ça se passe bien aussi de l'autre côté de l'équipe. Ça se passe très très bien. Okay. Et comme quoi, hein, comme quoi, ils sont, c'est close, ils sont à hein. combien, tu sais ? Je crois qu'ils sont bien. Bon, on va voir après. Hein. On aurait pu finir la game là. Ils sont à 16 minutes. Ils sont à 16 minutes. On est à 23. Et mesdames et messieurs, ta la 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 la. On était fort. Franchement, 22-47. Ah donc il s'est passé la même chose. Notre wipe a fait qu'on a perdu. Mais apparemment, ça s'est bien battu hein, chez vous aussi. Hein. Ah. On a fait wipe et après, pas mort. Ouais. Comme celle d'avant. Ouais, on était à 16 minutes là. J'ai perdu. Vous avez relevé le temps ? Est-ce que, je voudrais juste voir à quoi ressemble le build. 22-47. c'est bon ? 22-47. Ah ouais, 22. Putain, vous êtes chaud. Okay. Vas-y, fais-la. Ah ouais, ouais, on est bien, on est bien, ouais. On est bien. On est bien. Là, ça faisait 5 minutes, on était en train de discuter. Ah ouais, et c'était immobile. Ah c'était. Bah, moi, nous, pas du tout. Hein. Nous, on a bien rigolé. Nous, il était en mode gauche, en bas. Et oui, on faisait entendre du coup. On vous entendait, mais nous, on était en chill parce que. C'était vraiment la team Theorycraft contre les entertainers. Ah, mais il est bien le build, pourquoi tu m'as fait bouger ? Bah, parce que c'est rigolo. Oui, bon. Putain, GG. Franchement, bravo. Dame, la boss. Hein. Moi, j'ai adoré le truc, par contre. Hein. Ouais, ah, c'était très cool. Gagné ou pas, j'ai adoré. C'était étonnamment drôle, ouais. C'était très cool, et je pense que la bibliothèque s'y prêtait particulièrement, parce qu'il y a pas d'obstacles et tout, donc en fait... Ça aurait été trop dur. Mais, ouais. Je pense que ça aurait été vraiment trop dur, le bois des mains. Ouais. Ah non, c'était grave cool. On a gagné. C'est vrai, bravo. Let's go, dame, là. Allez. Nous, il nous a fallu une petite game de chauffe. C'était trop nul. Est-ce qu'on est étonné, bon. Des tricheurs ne peuvent pas gagner, enfin un tricheur. Putain! Non mais nous on a visé le rire! C'était vraiment très le rire! On est streamer, on est là pour faire rire! Je comprends, moi pas du tout, hein. Nous on était là pour gagner! Ah ouais, c'est... Y a c'était pas de... le... Oh putain! C'était le tryhard, effectivement! On était quasiment finito! Bobo t'as beaucoup rigolé en tout cas, sachez-le! Oh j'ai ri! Ah non mais on a beaucoup rigolé, ça par contre! Oh j'ai ri! On pourra pas nous l'enlever! Mais par contre, moi quand j'avais le masque. J'avais vraiment un coup de flip en fait! Moi quand j'avais les lunettes, je ne pouvais même plus parler! Oui, pareil. Ouais. En fait, c'est pas ça. En plus, je t'ai donné beaucoup d'indications. Et en fait, j'essayais de t'expliquer chaque move que je devais faire. Mais même sans ça, ça m'a shut down. J'avais tout qui était shut down. J'étais en mode, je vois plus rien. T'étais trop focus. Ouais. C'était trop marrant. Le problème de Mintos, c'est que sa manette, quand tu vas en bas, elle fait bas gauche. C'est un autre problème. On a eu un petit souci sur ça. J'étais Mintos, va en bas et je le voyais faire ça. C'est quoi comme manette ? Non, mais il a un D-pad un peu usé. Ah, voilà. Ok. Et c'était très bien en tout cas, bravo. Tu sais que j'ai fait exprès de sortir ma manette Xbox rose. Oh, et elle est cool d'ailleurs à jouer, magnifique. C'est incroyable. Mais les gens me disent qu'ils veulent un GPS Mintos maintenant. Là, c'est. Oui, c'est prévu. En bas, à gauche, droite. En full mais panique. Mais putain, appuie. En full panique. Non, mais c'était incroyable. Et ben, mesdames et messieurs, ça va être la fin de notre soirée. Déjà, ouais, c'est passé vite. Et c'était trop bien. C'était trop marrant. J'ai bien ri. On a vraiment ri. Meilleur jeu.
C'était incroyable. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Merci, ah, merci à vous pour l'invitation. Merci. Les viewers, oui. Un de mes jeux de cœur. Non mais c'est vrai, franchement on s'est régalé là, c'était total régal sur ce jeu incroyable qui s'y prêtait bien à 4 en tout cas, donc c'était vraiment cool. Prochaine fois un tournoi de endgame, par pitié quoi. Ah ouais j'avoue, oh, avec les synergies de ouf. Oh la vache, on tartine l'écran là. Et sans avoir droit aux notes. Mais par contre j'ai été étonné quand même à quel point on est passé, le début était très dur mais là quand même on allait loin à chaque fois. Hein. Ouais c'est vrai. Hein. En fait dès que tu... Mais vous êtes jamais mort en coop. Non. Jamais. Non. En fait, dès que tu débloques la première salve d'items, le jeu prend une dimension trop cool. Le NFT, bien sûr. Et après, c'est exponentiel. Quoi. On était les yeux bandés, ils me disaient « Attention !» Il me faisait des trucs comme ça, c'est bon. Il me faisait « Oh là, t'as le NFT !» Mais j'en sais rien, mais derrière toi, c'est affreux. Non, c'était ouf. Il me disait « Attention, attention, attention !» Bon, bref. Trop bon, cool. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que sur GamePassChallenge.com, vous pouvez dès à présent faire les challenges de Vampire Survivor. Vous avez des trucs de fou à gagner. Il y a la Lenovo Legion Go qu'on vous a montré tout à l'heure, la console, un PC, des abonnements Game Pass, du stuff. Voilà, c'est les deux trucs que vous voyez sur votre écran actuellement. Ils sont à gagner si vous jouez à Vampire Survivor et vous êtes des cracks mondiaux. Peut-être coaché par Damdam. Peut-être Damdam va participer, qui sait. On sait pas. Vous avez aussi un code de réduction. Je rappelle, ça a pas mal tourné dans les chats, mais le code GPC20 qui vous donne 20% sur tous les PC portables Lenovo Legion actuellement, et en plus pour tous les PC et consoles achetées vous avez 3 mois de Game Pass offert, dans lequel évidemment il y a Vampire Survivor. Voilà, tout simplement. Écoutez, on s'est régalé. Merci à ZQSD, à la production bien sûr, qui nous a réglé les petits problèmes de son qu'on avait aussi, au début. Incroyable. Et c'est vrai, les malus, parce qu'ils ont fait tout le concept de cette soirée, et nous on est arrivé juste les mains dans les poches et on a game littéralement. Donc c'est vrai que c'était bien cool. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Bah ouais. En tout cas, carrément. En tout cas, on a bien rigolé. Il y a eu de clés qui ont été distribuées, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Super. Ouais. La France entière a du Game Pass là pour un mois. Ouais. Vous n'avez plus aucun. Voilà, il faut y aller maintenant. C'est vrai. Mais il est déjà l'heure de se quitter, mesdames et messieurs. C'est vrai que une soirée un petit peu plus courte que d'habitude sur un Game Pass. Mais bon, voilà, il y aura re des choses, bien sûr. Vous savez que Game Pass nous suit depuis longtemps en plus. Donc pourquoi pas une autre fois. Qu'on fasse le Game Pass Hôtel pendant 7 jours. Le Game Pass Hôtel. 7 jours de Vampire Survivor. Tu sais qu'il y aurait de quoi faire avec tous les jeux. Avec tous les jeux, le Game Pass Hôtel, ça peut être toute l'année, mesdames et messieurs. Ouais, j'avoue. Bon, merci à toutes et à tous en tout cas. Merci à la prod. Merci à vous trois d'être venus. C'était trop bien. On se dit à bientôt en live. Ciao, bye bye. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Yeah. Ciao.